On n'est pas comme eux. On appuie sur le trône. On part avec le sommeil. J'aime une vie courte, le bras long. Le cause pense que j'ai le million. Pas encore, tire sur ton pilon. Hey! Raindrop, drip, drop top, drop top. Smoking, no cooking, the hot pot. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that, that, that. La famille, c'est le temps en force. On se retrouve aujourd'hui pour un putain de vlog. Là, on est à 3 semaines avant le choc PSG-Barça. Mais je pense que dans toutes les têtes des Parisiens, on a vraiment tout ce choc en tête. Parce que nous, ça commence à partir d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? La Draxler, il est en train de faire une arrivée en puissance. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on peut créer l'exploit contre le Barça. En tout cas, chez nous, d'une part. Après, chez eux, ça sera un autre match. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous passerez un bon moment. Vous avez été nombreux à me demander de filmer les coulisses de ce match. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je serai au bord du terrain sur un point de corner, là où Messi fera les corners, etc, etc. Je sais pas si c'est Messi qui va les tirer, mais en tout cas voilà, il y aura des beaux petits plans. Donc bon visionnage à tous et passez un bon moment. Ouais, bon, Katoto, bah, le PSG, vous gagnez 2-1 avec un doublé de ce monsieur là, tu vois, lui là. Hop, petit doublé de Cavani, et ouais, mon gars. Moi, je pense que Paris ont pas de chance contre le Barça. Moi, je dirais 2-1. Pronostic pour PSG Barcelone, 2-0 pour Barcelone. Étant donné que tu nous demandes un petit pronostic, je veux dire 2-1 pour Paris, Toto. Et Toto, nous on te dit 2-1 pour le PSG. Bon Toto, moi perso je dis 2-1 pour le PSG, pire ma gueule. Un petit 3-1, doublé de Cavani. 3-1 pour le PSG. Ouais ma gueule, en direct du ski. Donc je pense le prono PSG Barça, je sens bien un petit 2-2 pour le match. Moi je dis le Barça il gagne 2 et PSG 1. 2-1 pour le PSG. Victoire du Barça 1-0. Je pense aussi qu'un 2-1 pour le PSG, je pense qu'on peut le faire. Voilà les gars, on y est, c'est le jour J. Bon, je vous explique. Vous avez tous vu vos pronostics. Il y en a qui sont confiants, il y en a qui sont pas trop confiants. Moi je vous le dis, il y a vraiment moyen. Là, je pars. Comme vous voyez, j'ai mis le nouveau maillot, c'est normal. C'est un nouveau match qui commence. En dessous, j'ai mis le maillot de l'année précédente où on avait réussi à battre cette équipe là-bas, Chelsea, comme vous le voyez. Maintenant, c'est à nous de faire le taf. Thiago Silva il est pas là, c'est pas grave. Kimpembe sera là, donc les amis, c'est parti pour ce grand match. Ça y est les gars, on y est. Bon, il est 3h de l'après-midi. L'inconvénient quand tu vas au parc, c'est de trouver une place. Donc là, ça y est, c'est objectif trouvé, objectif réussi. Donc maintenant, l'objectif, le dernier objectif, c'est de gagner ce match, ou du moins chercher un très bon résultat ici chez nous pour le premier match. Donc voilà, je suis juste devant le parc, regardez-moi ça. Voilà, c'est très beau. Les gens, ils vont prendre les escaliers tout à l'heure. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont monter. Le stade est complet, il ne restait plus que quelques places ce matin. Donc voilà la famille. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, vers 19h30, on ira tout simplement tout droit, on ne prendra pas les escaliers. Ça sera au bord du terrain qu'ils seront placés, là où, comme je le disais, le joueur fera les corners, donc ça va envoyer du très 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 sale. Donc vous voyez là, pour l'instant, les portes sont fermées, il est 3h d'après-midi, ça bouge pas trop encore, mais ça va pas tarder dans moins de 2h. Qui aimerait être à ma place aujourd'hui. C'est pour ça que voilà, je dis à tout le monde de réaliser ses rêves. Moi, je suis blessé depuis, ça va faire un an ou deux, et je me récompense en me disant que voilà, un jour ça s'arrangera, et j'essaye de me faire plaisir au maximum en allant au Parc des Princes. Je pense que tout le monde voilà, aimerait être à ma place. Donc voilà, la famille, ça va être énorme ce soir, avec un parc, je l'espère, en feu. La question qu'on se pose tous avant le match, c'est comment on va faire pour réussir à battre cette équipe du Barça, sachant qu'il n'y a pas Thiago Silva. Moi je vous le dis les gars, notre seule force, la seule force dans le monde du football, c'est ce qu'on a dans la tête et l'envie qu'on a envie de gagner. Donc voilà, si on veut vraiment gagner le match, il faudra vraiment tout donner au niveau du mental. Voilà, tout simplement. Charnière défensive,
ça va être fébrile, mais en ayant l'envie et en ayant la niaque, on peut tout faire. Les bus viennent d'arriver, la tension monte. Franchement, la plupart des gens, ils ont l'air super confiants. Moi, franchement, j'attends de voir. Donc maintenant, je vous amène jusqu'à ma place. C'est parti, les gars. Les gars, il y a tout le monde qui monte. Qui prend les escaliers et tout, et nous, pas d'escalier, mon gars. Je sais pas si vous m'entendez, composition, Kimpembe est bien titulaire à la place de Silva, ça va envoyer du sale. Ça va à la place de Maxwell, ça va envoyer du très lourd. On va espérer qu'il tienne la baraque derrière, même si ça va être très 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 difficile.
100 points maintenant, on continue, on est ensemble.